Tournez le volant pour placer le plateau denté complètement vers l'opérateur. Avec la molette d'avancée rapide, amenez le plateau totalement sur la droite. Levez le presse-produit en actionnant vers le haut la molette sous la poignée en bois. Positionnez le produit de charcuterie sur le plateau denté. Le bloquez fermement avec le presse-produit. Le produit de charcuterie devra dépasser d'environ 4 cm. Veillez à ce que l'entame soit parallèle à la lame. Ouvrir l'élément de protection de la lame en le dévissant légèrement. Le placer sur sa gauche en l'intégrant aussi bien en haut qu'en bas dans le cran prédisposé à cet effet. Resserrer après l'opération. La lame est maintenant découverte. En utilisant à nouveau l'avancée rapide du plateau, avancez le produit vers la lame. Réglez l'épaisseur de coupe avec la molette. Vous pouvez maintenant procéder au tranchage du produit en faisant tourner le volant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque cran de la molette représente 0,3 mm d'épaisseur. Nous conseillons de trancher au cran numéro 2 ou numéro 3. Enlevez le petit bac de récupération situé sous la lame en ouvrant préalablement le protège-tranche. Nettoyez cet élément. Refermez maintenant le protège-tranche. Vous pouvez maintenant démonter le plateau de récupération produit en le tirant vers vous pour le débloquer. Dévissez la vis de blocage sur le plateau denté entre les deux colonnes. Soulevez le plateau pour l'extraire. Pour les opérations de nettoyage, utilisez un chiffon doux et de l'alcool à 70 degrés. La machine étant nue de ses principaux éléments, vous pouvez accéder facilement à la totalité des superficies. Passez le chiffon en prenant soin des décorations de laiton. Nous déconseillons fortement l'usage de produits abrasifs. En faisant tourner le volant pour déplacer le chariot vers l'arrière ou l'avant, vous accéderez facilement à la superficie de la base en fonte. Ne jamais utiliser d'eau dans les procédures de nettoyage. Tournez le volant pour procéder également aux opérations de dégraissage extérieur et intérieur de la lame. Positionnez le chiffon de coton doux au centre de la lame. Tournez le volant, allez du centre vers le bout de la lame. La lame sera Le bloc d'affûtage est situé au-dessus de la lame. Il contient deux pierres, une pour l'affûtage, une pour l'affilage. Dévissez légèrement la vis située sous le bloc d'affûtage. Faire tourner le bloc de 180 degrés. Le bouton incliné de droite sur l'écran, c'est-à-dire à gauche de l'opérateur, sert à l'affûtage, celui de gauche à l'affilage. Faites tourner le volant en appuyant sur le bouton de l'affûtage pendant environ 30 secondes. Maintenez le doigt en continu sur le bouton. Pour les opérations d'affilage, appuyez pendant 3 à 4 secondes sur les deux boutons en même temps. Voyons maintenant les opérations de lubrification de la machine. Une petite boîte à outils se trouve sur la machine. Elle contient une bouteille d'huile de vaseline, une pipette rigide et un stylet en inox. Ces trois éléments vous serviront à lubrifier votre machine. Dévissez la bouteille. Revissez la pipette rigide. La débouchonnez. Vous pouvez maintenant lubrifier la machine.
Il existe 6 points de lubrification sur la machine. Le premier se trouve entre le volant et la base. Le deuxième est à gauche du chariot. Tournez le volant pour diluer l'huile à l'intérieur de la machine. 3 autres points de lubrification sont composés de billes rétractables situées à l'arrière de la machine. Utilisez le stylet pour rétracter les billes et ainsi faciliter la pénétration de l'huile. L'autre point de lubrification se trouve entre les deux bras mécaniques situés sous le chariot. Après l'opération, tournez le volant pour diluer l'huile. Vous pouvez maintenant remonter les éléments. Le plateau de réception marchandises, le petit bac de récupération et le plateau denté. Votre machine est à nouveau prête à l'usage. Baissez le presse-produit. Le plateau doit être complètement positionné vers la lame. Amenez ensuite le chariot vers l'arrière de la trancheuse. La réglette sur le numéro 3. Vous êtes maintenant prêt à installer la housse de protection de votre trancheuse. Celle-ci est réalisée sur mesure. Positionnez la housse de manière à laisser le volant apparent. L'ajuster pour qu'elle fasse corps à la machine.